Bon, eh bien, bonjour, il est 14h02, nous allons commencer notre webinaire. Pourriez-vous juste me confirmer que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait, Louis. Oui, merci. Donc, comme je l'ai indiqué dans le fil de conversation, le webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, et même pour préserver la bande passante, c'est mieux de désactiver vos caméras, vos micros aussi pour éviter des bruits parasites. Le webinaire est enregistré, il sera déposé sur l'espace Osmose, classement et description des archives du CIAF. Donc, dans le fil de conversation, vous avez le lien direct vers l'espace classement et description et un autre lien pour vous inscrire si vous n'avez pas déjà de compte. Donc aujourd'hui, on va vous faire une présentation à quatre voix, deux voix côté AF, Céline Cros et Claire Dimachio, qui sont de la section des archives départementales de l'AF, et Manon Maniresti, pardon, et moi-même, Louis Vigneault, du CIAF. Donc on va dérouler deux supports, un pour le CIAF, on va commencer par le CIAF, puisqu'on va vous passer on va vous parler du passé et du présent, et ensuite on passera la main à nos collègues de l'AF qui vous parleront de l'avenir. Donc, ce webinaire s'est découpé en deux temps à peu près équivalents. On va essayer de faire à peu près 30 minutes de présentation et 30 minutes d'échange pour pouvoir discuter directement avec vous. Vous verrez, moi je vous ferai une présentation relativement rapide du contexte et de la reprise de l'existant pour que Madame Mani puisse vous présenter plus en détail l'amélioration et l'actualisation des choses dans la reprise. Ensuite, on passera la parole à nos collègues de l'AF. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le fil de discussion, le fil de conversation Teams, et on les prendra au fil de l'eau. Sinon, vous pouvez aussi intervenir directement en levant la main tout à l'heure. Donc, concernant notre présentation sur la première. Donc, on a séquencé les choses en trois parties, le contexte, la reprise de l'existant et les travaux. Donc, sur la partie contexte, vous le savez probablement, sur les référentiels et notices d'autorité producteur, historiquement, une convention liée le CIAF et l'AF, une convention qui a été signée en 2010, qui a encadré des travaux d'un groupe de travail qui a commencé à travailler entre 2010 et 2011 pour produire deux livrables différents, un référentiel national des formes autorisées et des noms pour l'administration territoriale de 1800 à nos jours, et une base de modèles de notices d'autorité, donc des fichiers XML et ACCPF, qui étaient vus comme des modèles réutilisables par les services. Donc tout ça, c'était avant la création de France Archive, qui est un élément important, puisqu'aujourd'hui, une partie de la migration, une des raisons de la migration d'aujourd'hui, c'était la réintégration de ces éléments dans France Archive, pour que ce soit plus visible et plus cohérent au niveau de la publication des informations. Voilà. Donc, sur la partie qui existait, le premier livrable, le référentiel national des formes autorisées de nom, qui était déposé sur le site de l'AF sous forme de 13 tableaux, qui étaient 13 fichiers PDF, un tableau par domaine, à télécharger pour consultation locale chez vous. Voilà. Ensuite, pour la base, le référentiel de modèles de notices de producteurs. Il avait été choisi à l'issue d'un parangonnage, la base ICA Atom. Il y a eu un partenariat avec la société Artefactual qui, pour un outil de contribution qui proposait des modèles de notices d'autorité. Donc, il y avait un petit moteur de recherche et ces modèles de notices étaient à la fois consultables sur le site web Atom et téléchargeables pour réutilisation par les services. Donc, vous avez l'URL dans la diapo, mais en fait, le site a été désactivé au 1er janvier 2024 suite à la migration qu'on est en train de vous présenter. Alors, la reprise de l'existant. Donc, le CIAF, peut-être vous le savez déjà, le CIAF en fait pilote un groupe de travail général sur la description des archives. Donc, c'est Manon Maniresti et moi-même qui copilotons ce groupe de travail. Et ce groupe en fait, est constitué de plusieurs groupes, des sous-groupes, l'un par exemple sur le thésaurus matière, l'autre sur le référentiel des lieux, et il y a eu un sous-groupe sur les producteurs d'archives.
Je profite de ce webinaire pour remercier vraiment chaleureusement les participantes de ce groupe qui ont réalisé un travail vraiment formidable, très professionnel et dans la bonne humeur, ce qui ne gâche rien. Et je vraiment au nom du CIAF, je leur adresse tous mes remerciements pour ce travail vraiment très prolifique et très enrichissant. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les groupes de travail, vous avez le lien sur la diapo, là, le groupe de travail est ouvert. Si vous souhaitez le rejoindre, tout ou partie, c'est tout à fait possible. Sur France Archives, en ce qui concerne le référentiel pour l'indexation des producteurs d'archives, nous avons publié une toute nouvelle page qui vous explique un peu le contexte, qui reprend un peu ce que je suis en train de vous présenter, mais sur un mode un peu plus détaillé. Donc vous avez l'URL, le lien dans cette page, dans cette diapo. On retrouvera toutes les informations, y compris les fichiers à télécharger. Alors, concernant la reprise de la base IC à Atom, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sachez qu'en fait, on a repris tous les fichiers XML, les fichiers ES et CPF qui étaient dans la base Atom et qu'on les a réinjectés dans France Archive. Donc, on a gardé le même principe, les notices peuvent être consultées directement dans l'interface de France Archive, vous avez une petite capture d'écran à droite, ou à télécharger sous forme d'un fichier dump, enfin d'un fichier zip, où vous avez l'intégralité des notices. Donc, je crois que ce format n'est pas encore disponible, mais vous l'aurez. Vous avez deux adresses dans la diapo qui vous donnent un peu les deux modalités, consultation et téléchargement. Donc, maintenant, Mani vous expliquera tout à l'heure une mise en conformité des noms des producteurs avec le code RDAFR. Ça vous sera présenté tout de suite. Et on a aussi produit une table de correspondance. Si depuis vos ICA ou vos sites web, vous aviez établi des liens vers la base Atom, ce fichier que vous pourrez télécharger depuis France Archive, la table de correspondance, peut vous être utile puisqu'elle vous donne les correspondances entre l'URL et l'URL de la même information, enfin de la même notice dans France Archive. Donc c'est un tableau Excel tout bête que éventuellement vous pourrez donner à votre service informatique si vous voulez faire des correspondances, des redirections automatisées. Alors un point de vigilance aussi quant à ce tableau, c'est que pour que tout ça fonctionne, il fallait vraiment que chaque notice ait un identifiant unique, ce qui était vrai dans la plupart des cas, mais il y avait une vingtaine ou une trentaine de notices soit qui n'avaient pas d'identifiant, soit qui avaient des identifiants qui se regroupaient. Il y a eu quelques erreurs historiques. Donc, il y a une réattribution de certains identifiants uniques dont vous trouverez, en fait, dans la table de correspondance, à la fois les anciens identifiants et les nouveaux identifiants. Dans la plupart des cas, ce sont les mêmes, mais pour une vingtaine ou une trentaine de notices, c'est différent. Voilà, sachez-le, ça peut être important si vous faites des redirections automatiques. Voilà. Pour l'URL dans France Archive, c'est très simple. Vous avez toujours la même base, HTTPS, France Archive, etc. Et pour accéder à la notice, le modèle de notice, vous saisissez à la fin de l'URI, en fait, simplement l'identifiant unique de la notice du producteur. Voilà, ce qui vous permet d'avoir une nomenclature simple. Retrouver les fiches de modèle sur France Archive, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans la partie accès pour les professionnels en haut à droite, en tête du site France Archive. À ce moment-là, vous cherchez, vous cliquez sur le bouton notice de producteur. Et ensuite, vous filtrez, une fois que vous êtes dans cette section-là, vous faites affiner votre recherche en sélectionnant comme lieu de conservation l'Association des archivistes français. Et là, vous avez accès à tous les modèles de notices. Donc ça, c'est la première manière d'accéder aux notices. Et vous avez une deuxième manière qui est simplement en faisant une recherche plein texte sur le moteur de recherche généraliste de France Archive. Là, vous avez une capture d'écran avec un exemple département. Donc, vous faites simplement une recherche plein texte. Simplement, faites bien attention d'avoir les deux cases cochées, recherche référencée, enfin, archives référencées et ressources du site. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et une fois que vous avez lancé cette recherche-là, vous filtrez la page de résultats de ressources, les types de ressources, vous filtrez notices d'autorité. Voilà. Les deux manières simples d'accéder au contenu. Voilà, je vais laisser la parole à Manon Mani qui vous va vous présenter Donc. la mise en conformité.
Merci beaucoup, Louis. Donc, très rapidement, je vais vous expliquer la démarche que nous avons suivie pour mettre en conformité le référentiel des formes autorisées de nom, du nom des administrations territoriales depuis 1800. Le chapitre 11 du code RDA-FR remplace la norme 40061 qui était utilisée depuis les années 60 pour l'indexation des collectivités. Il y a eu des modifications introduites par le code RDA-FR. Donc, la première tâche, ça a été de lire l'introduction du code et surtout d'arriver à comprendre les notions qui sont définies en introduction, et notamment la notion de collectivité territoriale. Vous la voyez sur la diapositive et nous l'avons comprise comme désignation dans RDAFR des services de l'État au niveau national, régional, départemental ou communal. Mais cette expression désigne aussi ce que nous, on appelle des collectivités territoriales ou des collectivités locales, donc les régions, départements et communes. Et ils appliquent aussi cette notion à toutes les hiérarchies des différentes églises catholiques ou réformées. Il y a par ailleurs cette notion de collectivité subordonnée qui désigne toute entité qui dépend d'une collectivité hiérarchiquement supérieure. Donc, on a digéré un petit peu, essayé de comprendre ce que signifiaient ces termes dans le vocabulaire de RDA, qu'on a confronté à nos pratiques de description des producteurs d'archives, où on distingue bien, nous, les collectivités locales ou territoriales et les services déconcentrés de l'État. Par ailleurs, en lisant RDAFR, on a vu qu'il fallait, quand on souhaite la démarche à suivre pour indexer une collectivité, c'est de se poser un certain nombre de questions que j'ai mises sur la diapositive, ce qui nous a amené à essayer d'en faire un schéma un peu graphique. En se posant la question, voilà, la structure exerce des fonctions, quel type de fonction religieuse, ensuite et administrative. Il y a un gros bloc administratif qui regroupe tout le reste. Et à l'intérieur de ces fonctions, on se posait la question de quel type de structure c'est. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait quelques schémas de construction de libellés qui se dégageaient et qui se répétaient d'un endroit à l'autre. D'où l'idée de créer ce qu'on a appelé des cas d'usage pour essayer de classer toutes les entités administratives qui étaient dans les 13 tableaux sur le site de l'AF dans ces cas d'usage. Et au passage, comme on a un petit peu systématisé la réflexion et la démarche, on a dégagé deux cas d'usage qui dérogent à RDAFR, qu'on a présenté à une séance plénière du GT Description et Indexation des Archives de février dernier, qui nous les ont validés. Et il y a quelques cas d'usage, quelques cas précis, parce que RDAFR introduisait beaucoup d'exceptions à la règle, et on a décidé que pour simplifier, on ne suivrait pas toutes ces exceptions, puisque en fait, elle compliquait un petit peu la réflexion. Donc, je vais vous présenter rapidement ces cas d'usage. Certains sont très simples.
et ne change pas par rapport à la, ou pas énormément par rapport à ce que vous connaissiez, vous connaissez avec la norme 061. Les administrations centrales de l'État vont avoir la dénomination France qui désigne l'État au niveau central et derrière leur dénomination Conseil d'État, ministère de la Culture, etc. Les services déconcentrés de l'État, notamment au... Oups, je m'aperçois qu'il y a une erreur dans le support sur l'exemple. Désolée. Services déconcentrés de l'État, c'est notamment les services déconcentrés au niveau départemental. Et l'exemple, il faut lire Eure, France, préfecture ou direction départementale des territoires. Les académies, on suit ce que RDA proposait, on a juste un petit peu simplifié, c'est juste de mettre la dénomination sans indiquer la localisation du siège, celui-ci ayant pouvant bouger. On a vu des changements assez récents. Donc, on s'est dit qu'on pouvait se passer de la localisation exacte. Là où ça se complique un tout petit peu, c'est quand il y a des institutions, des services déconcentrés de l'État, mais qui dépendent de l'administration centrale de certains ministères. C'est le cas de la justice, de l'intérieur, des finances et de l'armée. Donc, ils sont subordonnés à la collectivité France quand ils dépendent de l'administration centrale et il faut ajouter la localisation exacte pour pouvoir les distinguer, sinon on se retrouverait avec des mentions de France tribunal de grande instance pour tous les tribunaux de grande instance de France. Où les commissariats de police dépendent d'un niveau départemental, donc il faut, pour les distinguer, rajouter l'organisation exacte à la ville. Par ailleurs, RDAFR ne considère comme ressort que la... en dessous du ressort national, les régions, départements et communes. Or, certaines administrations ont des circonscriptions particulières, par exemple les zones de défense. Donc, ce cas d'usage s'applique à celles-ci. Les collectivités territoriales, on propose donc de les distinguer très clairement des services déconcentrés de l'État, et c'est là que l'on déroge le plus fortement à RDAFR. Et c'est ainsi que Eure, le département de l'Eure, doit être désigné comme Eure, et on type département, et on indique bien sûr la localisation en France. L'ajout systématique de France est utile dans un contexte de web et diffusion internationale de nos instruments de recherche et de nos référentiels. Pour cette forme, on s'est adossé à ce qui est dans RDAFR, ce qui est proposé dans RDAFR pour les communes ou pour distinguer l'indexation des communes en tant que lieu et en tant que collectivité, RDA proposait de rajouter le type commune dans la parenthèse. Donc, on a simplement étendu cela au département et à la région. Quand il ne s'agit pas d'administration de l'État ou des collectivités territoriales, tout le reste, c'est des établissements publics ou privés. Établissements publics étant entendus pas au sens d'EPIC ou d'EPA, mais vraiment comme tout ce qui est institution publique qui ne relève pas des administrations citées plus haut. Par exemple, les SCN des Archives nationales. Donc là, il y a trois cas d'usage.
quand la dénomination est complète, Banque de France, on n'a pas besoin de rajouter d'autres informations. RDA reconnaît comme ressorts territoriaux les niveaux régionaux, départementaux et communaux. Si cette mention existe, l'établissement a un ressort bien précis, on l'indique dans la parenthèse, et s'il n'a pas de ressort précis, comme les collèges ou pour tout ce qui est établissement qui a un ressort interdépartemental, on indique le siège. Les collectivités subordonnées, c'est-à-dire celles qui dépendent d'une collectivité supérieure, on peut se passer éventuellement des niveaux intermédiaires si cela ne nuit pas à la compréhension et permet de bien les distinguer. Et enfin, les collectivités religieuses qui sont subordonnées à Église catholique ou Église réformée de France, avec donc des exemples. Et là où on déroge à RDAFR, c'est dans la désignation des paroisses qui ont été considérées comme des associations dans RDAFR. Donc on a vérifié, on a bien vu que c'était des collectivités subordonnées à l'Église catholique. Et pour les diocèses, la dénomination des diocèses diffère un tout petit peu d'RDAFR, puisqu'il y a plusieurs diocèses qui ont des noms un petit peu doubles, ou alors des sièges qui ne sont pas en fait dans la ville qui porte le nom. Donc, il vaut mieux donner la dénomination complète du diocèse et ensuite on peut indiquer une localisation. Donc, très rapidement, la présentation du référentiel. Pour en simplifier la consultation et l'utilisation, nous avons tout groupé dans un unique tableur Excel qui est avec chaque onglet pour un des domaines, avec donc en tête bien sûr un petit onglet « Lisez-moi », le rappel des cas d'usage que je viens de vous présenter, et ensuite, pour chaque onglet, vous aviez comme précédemment le nom courant de l'entité administrative. La petite nouveauté, c'est d'avoir introduit un identifiant unique par ligne et par onglet. Donc, ce qui permettra de mieux référencer ces institutions. Donc, le nom courant, le sigle qu'on a repris du tableau précédent. Ensuite, le nouveau nom proposé. Il y avait dans le tableau précédent souvent, parfois, deux noms proposés. Souvent, la seconde forme était une autre forme du nom, une forme ancienne. Donc, on a, pour des raisons de manipulation, on les présente dans une colonne séparée. Bien sûr, un exemple. Des dates d'existence qui sont renseignées quand c'est utile. Des observations et, si besoin, des notes de révision. Et pour justifier le choix, le cas d'usage qui est explicité dans le premier onglet. Et afin de faire la concordance, on a laissé les formes autorisées du nom du tableau de 2016 et les exemples anciens. Ce qui vous permettra de faire la concordance dans vos propres référentiels ou réviser vos index et voir les évolutions. Donc, il est possible donc, de chercher soit par domaine, avoir une vue générale du domaine ou alors d'utiliser la fonction de recherche sur l'ensemble du classeur, la fonction de recherche d'Excel, sur l'ensemble du classeur.
Donc, je reviens rapidement sur le PowerPoint. Donc, ce fichier est ouvert pour appel à commentaires jusqu'au 31 décembre 2024. Ça a été un gros travail et je remercie vraiment beaucoup les contributrices à ce groupe de travail. C'était intellectuellement très intéressant, un peu un challenge. Donc, il y a probablement des erreurs, des administrations qui ont changé de nom. Donc, on vous remercie tous par avance de nous signaler tous ces changements. Vous trouverez dans Osmose un petit modèle de fichier où il faudrait nous indiquer l'identifiant de la ligne et ensuite mettre votre commentaire, soit nouvelle dénomination, soit nous indiquer que c'est pas un service déconcentré de l'État, mais un établissement public ou l'inverse, etc. La prochaine étape, ça va être de mettre à jour le guide d'annexation pour la partie collectivité. Donc maintenant, il faut plus référer au guide d'indexation actuel. Il y a des choix sur lesquels on est revenu. Et je vais passer la main, avant de passer la main à Céline et à Claire qui vont vous parler de la suite du travail qui est repris par l'Association des archivistes français. Sur France Archive, on va aussi mettre à jour tous les libellés qui sont dans un réservoir d'autorité, de personnes et institutions sur lesquelles on travaille à harmoniser. Voilà, merci pour votre attention et je cède l'écran à Céline et Claire. Merci beaucoup Manon Mani, merci Louis, bonjour à tous. Claire, tu es avec moi ? Tout à fait. Je ne te voyais pas. Ok. Donc, nous allons vous présenter effectivement la deuxième partie du travail, l'avenir, le futur avec ce référentiel et ces modèles de notices de producteurs. Et nous allons nous orienter sur les contributions et les enrichissements que vous pourrez apporter à ce référentiel et à ces notices. Donc, je déroule. Là, vous voyez mon écran, je pense. Oui, tout à fait. C'est tout bon. Parfait, merci beaucoup. Donc, désormais, ce travail, en fait, il est porté par la section archives départementales de l'AAF. Nous avons choisi de renouveler la convention qui nous liait au CIAF. Et c'est désormais l'Association des archivistes français qui porte le groupe de travail qui va se charger de ses contributions et de ses enrichissements. Donc, à qui s'adresse ce groupe de travail ? En fait, à tous les archivistes, d'où que vous veniez, quel que soit le service auquel vous apparteniez, que vous soyez archiviste en commune, archiviste en établissement public, archiviste en département, collectivité territoriale ou archiviste en service de l'État, vous avez tous, chacun à votre niveau, pouvoir contribuer, si vous le souhaitez, à l'enrichissement de ce référentiel qui a été mis à jour. Par quel biais vous allez pouvoir contribuer et enrichir ? En fait, vous pourrez soit proposer des créations de nouveaux libellés parce que de nouveaux producteurs ont vu le jour depuis tout ce travail qui a été mené entre 2010 et 2019. Beaucoup d'administrations ont évolué, leurs périmètres ont changé. Donc, nous avons de nouveaux producteurs pour lesquels il faudra créer de nouveaux libellés. Vous avez également des demandes de mise à jour de libellés pour des producteurs qui ont changé de dénomination. Vous avez la possibilité de créer des fiches génériques, des notices de producteurs, en fait, directement pour les nouveaux producteurs, mais également de créer des fiches génériques pour les producteurs qui existaient déjà, pour lesquels nous avions des libellés, mais rien derrière. Donc, vraiment, c'est un panel relativement important de contributions. Donc, les contributions, elles se feront sous différentes formes.
Parallèlement à la création de la nouvelle page sur France Archives qui a été présentée tout à l'heure par Manon Mani, l'AF a créé une nouvelle page également dédiée au groupe de travail sur son site internet. Céline, si tu peux nous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc c'est une page qui est donc réservée aux adhérents. C'est tout bon. Parfait. Donc la page est réservée aux adhérents. Elle contient toute la documentation nécessaire, notamment la convention AF-SIAF qui a été mise en ligne, et également des modèles de tableurs. Donc nous avons mis en téléchargement un modèle de tableur pour les fiches génériques et un modèle de tableur pour les nouveaux libellés. L'idée, c'est que tous les envois de contributions vont se faire par un unique biais, c'est une adresse mail qui a été mise en place par l'AF. Si tu peux revenir sur le... la présentation. Voilà, voilà, donc l'adresse mail spécifique au groupe de travail, donc gt_referentiel@archiviste.org. Donc les membres, les animateurs du groupe de travail vont récupérer les envois de contributions, les enrichissements par ce biais-là. Plusieurs possibilités. Soit vous pouvez envoyer des propositions de fiches directement au format XML EACCPF. C'est une possibilité si vous avez des outils pour ça. Soit vous pouvez utiliser les modèles de tableur qui vous sont fournis. Donc on a proposé un contenu, un modèle qui se base sur la norme EACCPF avec un certain nombre de champs obligatoires. C'est ceux qui sont en italique soulignés. Donc la forme autorisée du nom est obligatoire, les fonctions, les activités, l'identifiant, ce sera le groupe de travail qui l'attribuera avec des nouveaux numéros. Et enfin, les producteurs d'archives en relation, c'est-à-dire à quel autre producteur le producteur décrit est-il relié, que ce soit de façon hiérarchique ou chronologique. Et on a laissé les autres champs qui peuvent être également remplis, les autres formes du nom, le lieu, les dates d'existence, les statuts juridiques, l'histoire, l'organisation, les textes de référence et les sources, comme cela existait auparavant. Alors, par contre, il y a un moment où il va falloir faire un contrôle et un alignement de toutes les données que vous pourrez transmettre. Et c'est à ce moment que nous aurons besoin d'animateurs pour assurer cet alignement, ce contrôle au sein du groupe de travail. Donc, la réunion, ce webinaire, il a aussi pour but d'être un appel aux volontaires qui viendront, qui voudront bien intégrer le groupe de travail pour participer avec nous à l'alignement et à la validation de l'ensemble des contributions. Donc, nous disposerons, les volontaires, pour l'animation, d'un espace de travail qui nous sera réservé sur Resana, dans la mesure où nous ne pourrons bientôt plus utiliser Osmose. Et nous aurons un tableur qui nous servira pour le suivi des contributions et des enrichissements, afin que l'on puisse avoir quelque chose de fluide, et surtout que nous puissions restituer, faire des retours auprès des contributeurs pour lesquels nous n'aurions pas en l'état accepté leurs contributions, et qu'ils sachent pourquoi ça n'a pas été accepté et éventuellement des modifications qui ont pu être apportées. Et également, les animateurs pourront, pour ceux qui le souhaitent, faire de l'encodage des informations qui nous auront été transmises pour créer des modèles de notices producteurs, mais pour des services qui ne disposeraient pas de SIA, par exemple, c'est nous-mêmes, ce seront les animateurs de cette communauté qui encoderont les fiches afin de pouvoir les transférer pour la mise à disposition sur France Archives. Sur donc, l'appel à contribution, on va ouvrir cet appel à partir du 21 octobre. Donc, vous pourrez, dès ce moment-là, nous envoyer vos propositions donc, par l'adresse mail que nous avons précisée tout à l'heure. La durée d'ouverture de cet appel sera de 6 mois cela permettra ensuite au groupe de travail de pouvoir travailler sur le contenu que nous aurons reçu. Comme l'a déjà un peu dit Céline, donc identifier les domaines qui n'ont pas été couverts, regarder toutes les contributions, les examiner, éventuellement constater des lacunes sur notre méthode ou autre, se répartir la charge entre nous
et donc évaluer aussi également régulièrement le flux des contributions que nous aurons reçues. On fera un premier bilan au bout de 2 mois, donc à partir du 21 octobre, un bilan mi-parcours à peu près, pour savoir un peu où on en est, si on a reçu combien de contributions on a reçues et si ça marche bien, quitte à faire un autre appel si besoin. Donc voilà de notre côté ce qu'on pouvait dire sur du côté AF, en tout cas le fonctionnement du groupe de travail. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, notamment à réagir dans le chat. Vous pouvez lever la main et prendre la parole directement si vous le souhaitez. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Alors, la préfecture, il y a la réponse dans le tableau que je ne connais pas par cœur. Donc, ouais. La préfecture de département ou de région? Oui, de département. C'est le nom du département, ouvre la parenthèse, et France, préfecture. Point, préfecture. Voilà, sinon je vois qu'il y a une question sur la version de ACCPF qui est acceptée, donc ça sera les deux, EAC 1 et 2. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse courriel qui vous a été fournie par Claire. Tu l'as sous la main parce qu'on peut la remettre dans le chat. Oui, oui. Je vais l'indiquer. Voilà. Non, c'est pas très facile. Si on n'est pas adhérent à l'AF, on peut donc le faire sur Osmose. Il y a une question, si on n'est pas adhérent à l'AF. En fait, ce qui est peut-être un peu source de confusion, c'est qu'il y a deux appels différents. Il y en a un qui est piloté par le CIAF, qui reçoit des corrections si vous voyez des erreurs dans le tableau qu'on vient de publier sur France Archive. Bon, c'est la reprise de l'existant. Si vous voyez des choses qui ne vont pas, vous pouvez nous le signaler. Donc, par contre, il y a un autre appel. Donc, l'appel du CIAF, c'est vraiment sur la reprise de l'existant. Et il y a un autre appel qui est géré par l'AF sur le développement du référentiel pour la suite. Et donc là, c'est sur Present. Il y a vraiment deux choses complètement différentes. Mais en revanche, pour ce qui est de l'appel à enrichissement, contribution enrichissement lancée par l'AF et qui sera pilotée par l'AF, même si vous n'êtes pas membre de l'AF, n'hésitez pas à entrer en relation. Alors, vous pouvez devenir membre de l'AF, hein, déjà, ça peut être une occasion, mais vous pouvez aussi, par le biais de cette adresse courriel, nous transmettre soit des propositions, soit nous demander que nous vous poussions les tableurs qui existent et nous les renvoyer remplis. Céline, il y a aussi ce qui arrive parfois, c'est que c'est le service qui est membre de l'AF. Et dans Mais ce non. cas-là, est-ce que des personnes, des agents de ce service pourraient participer? Ah ben oui, bien sûr. A priori, oui. Oui, bien sûr. Oui, que l'on soit adhérent à titre individuel ou à titre de mandataire avec un ensemble de bénéficiaires derrière, ça pose aucun problème. Hein. Ou même pas adhérent. Le chantier est tellement vaste que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Et vous êtes aussi un certain nombre de services à avoir contribué involontairement à ces travaux grâce aux descriptions du producteur très riches et fouillées qui existent dans les instruments de recherche et qui ont été souvent très utiles pour documenter et se décider sur la forme d'un producteur. Donc, merci beaucoup. Maintenant, le souhait, c'est de pouvoir structurer ces descriptions du producteur qui sont très riches et qui existent dans les instruments de recherche sous forme de notices descriptives de producteurs. Oui, il y a une question sur la granularité. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, je ne sais pas si je peux parler ou si on m'entend bien. Oui, bien Bon. sûr. Oui, on vous entend. Allez-y. Merci beaucoup. Merci. Déjà, je pense que les 200 personnes présentes ne vous remercieront pas, mais merci beaucoup pour tout le gros travail effectué dans ce tableur. Il se trouve qu'aux Archives de Paris, on réfléchit sur cette normalisation des services producteurs. Et la question à propos de la granularité, c'est par exemple quand on a un bureau au sein d'une direction qui fait le versement, par exemple une direction qui s'occupe des services sociaux, et puis il y a un bureau assez loin dans l'organigramme qui fait le versement. Est-ce que ça, vous avez réfléchi sur ce qu'on pouvait indiquer dans le nommage du producteur, entre par exemple le niveau le plus haut, le niveau le plus bas? Pas du tout, vous avez mis de côté cette réflexion, ou est-ce qu'à ce stade, elle ne Alors, se pose pas? il y a deux. Alors, c'est peut-être un des premiers éléments. Merci pour la question qui est pertinente. Juste peut-être un premier élément de réflexion, c'est qu'il peut y avoir deux niveaux de gestion. Peut-être une gestion très fine avec une granularité assez basse dans le module service. Pour l'archiviste, pour gérer les versements. Mais dans l'instrument de recherche, ce qui intéressera plutôt un internaute, c'est une entité à un niveau plus haut dans la hiérarchie, surtout s'il fait une recherche assez longue dans le temps et que les bureaux ont changé de nom à plusieurs reprises. Donc, il y a les deux perspectives. Et sinon, ce que dit RDAFR, c'est qu'on peut indexer, en fait, à la granularité que l'on souhaite, mais pour de la lisibilité, il est possible de ne pas indiquer tout l'organigramme dans le libellé et de sauter des niveaux intermédiaires. Tant que cela reste compréhensible. Je ne sais pas si c'est très clair, Anne. Oui, c'est exactement la question qu'on se pose en fonction des usages qui vont être faits par les chercheurs ou en fonction par les demandes par les services producteurs, par exemple, qui veulent vérifier tout ce qui a été versé. Et on se dit que si les intitulés sont trop longs, on va perdre tout le monde. En même temps, il ne faut absolument pas perdre cette information de la hiérarchie des différents producteurs au sein d'un service. Mais donc, merci pour cette réponse. A priori, c'est quand même plus, les lecteurs sont plus intéressés par un niveau haut de ce que je retiens. Oui. Et donc, a priori, pas de contre-indication sur le fait de faire sauter les échelons intermédiaires. Je vois Céline Non. qui hoche la tête. Donc, d'accord. Merci. Tant que ça reste compréhensible et qu'on ne risque pas de confondre deux bureaux qui ont le même nom.
Oui, on se questionnait aussi sur le côté, par exemple, les ressources humaines, tous les bureaux qui auront à traiter des dossiers RH, voilà, que ça, il y aura des intitulés similaires pour un niveau plus bas, mais bon, je vais peut-être laisser la parole si d'autres veulent intervenir dessus. Oui, je crois que Nathalie Regagnon a... Oui, bonjour. Non, moi, je voulais intervenir justement pour dire que ce qui était très complémentaire de notre travail, c'est d'entamer une réflexion sur les fonctions. Donc, il fait l'objet aussi d'une autre norme parce qu'effectivement, au niveau d'une commune ou même du niveau du fond de la préfecture, du conseil départemental, on va finalement regrouper nos instruments de recherche à un niveau très haut de producteurs et après peut-être découper par fonctions comme les ressources humaines que vous venez d'évoquer. Tout à fait, merci. Et il y a actuellement un appel à commentaires international qui est lancé pour éventuellement développer un standard de description des fonctions. Donc là, c'est probablement un travail qui sera entrepris, un prochain chantier possible s'il y a des volontaires pour y participer. Du coup, je vois qu'il y a une question sur le fait d'utiliser plutôt le tableur Excel qui est donné aujourd'hui ou le guide d'indexation pour le web. Je crois qu'on n'a pas précisé qu'effectivement le guide d'indexation sur le web va être mis à jour du coup, à la suite de nos travaux. Oui, tout à fait. Il faut maintenant que, à la suite de l'appel à commentaires, lorsqu'on publiera la version finale du tableau en janvier, on mettra à jour aussi le guide d'indexation. Donc, si vous voyez des contradictions entre le guide d'indexation et le tableur, faites plutôt confiance au tableur. Guide d'indexation reste valable pour toutes les autres parties qui ne sont pas collectivités. Je ne sais pas si on a oublié des questions dans le chat. J'arrive pas à m'y retrouver. Donc, n'hésitez pas à nous signaler si on a oublié des questions. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être clore la séance. Merci pour votre attention. Voilà, on était quasiment 200 au pic de l'activité de ce webinaire. Donc, ça signifie vraiment qu'il y a un intérêt pour le sujet, ce qui nous fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit côté CIAF, soit côté AF. De toute façon, on travaille ensemble. Donc voilà, vous pouvez
nous contacter indifféremment sur ce sujet, on fera la passerelle. Comme je vous le disais, le webinaire enregistré, je vais déposer l'enregistrement sur l'espace Osmos Last Mile Description. Si vous voulez le voir, le revoir, le conseiller à vos collègues, le diffuser à vos enfants, n'hésitez pas, c'est libre. Et on vous dit à bientôt pour de futurs travaux. Merci beaucoup et bonne journée. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours et des remarques. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.